avons reçu beaucoup de messages de la part de Dieu et le peuple sera bien servi, va manger la viande fraîche. Ça vous garde. On est venu ici parce que vraiment on aime, on adore Dieu, on aime la France, on aime notre pays. Et ce qu'on a vu chez l'apôtre Léopold et ici à Viamento, on a dit on veut la même chose pour la France, mais pour la gloire de Dieu. Je suis le pasteur Jean-Christophe François Louison, je viens de la Martinique, donc dans la Caraïbe, pas tellement loin d'ici. Alors je viens de Rennes, en France, Johan. Bah, en fait, quelques jours avant, le Seigneur m'a mis à cœur d'acheter des gâteaux de la région d'où je suis. Et le lendemain, j'ai appris que l'apôtre Léopold prenait le même vol que moi. Et quand je suis monté dans l'avion, en fait, le Saint-Esprit me dit « Demande au Stuart d'offrir les gâteaux à l'apôtre. » Et au même moment, la femme de l'apôtre est sortie et j'ai pu y aller. Je me suis mis à genoux, je l'ai honoré et je lui ai témoigné le sentiment du cœur. Et voilà, j'ai reçu une bénédiction et au moment de rentrer, de retourner à mon siège, la puissance de Dieu est tombée sur moi. C'est une grande joie d'être ici présent et d'avoir l'apôtre Léopold Moutombo et son épouse et toute la délégation de la République démocratique du Congo qui viennent ici pour partager un trésor. Ce fut un trésor aujourd'hui. Je vais développer quelque chose. Je vais parler sobre algo. Les quatre dimensions de l'impactation spirituelle. Ces quatre choses sont différentes mais complémentaires. Estas cuatro cosas son diferentes pero se completan entre ellas. Le baptême du Saint-Esprit. El bautismo del Espíritu Santo. La plénitude du Saint-Esprit. La plenitud del Espíritu Santo. La puissance du Saint-Esprit. El poder del Espíritu Santo. L'onction du Saint-Esprit. Y la unción del Espíritu Santo. L'onction. La unción. C'est la divinité. Es la divinidad. Exceptionnelle dans l'homme. De manera excepcional en un hombre carnal. Nous avons tous le Saint-Esprit. Todos tenemos el Espíritu Santo. Nous pouvons tous avoir le baptême du Saint-Esprit. Todos podemos estar bautizados con el Espíritu Santo. L'onction du Saint-Esprit. Pero la unción del Espíritu Santo. N'est pas donné à tout le monde. No es dado a todo el mundo. Les choses doivent être claires là-dessus. Tenemos que entenderlo claramente. Église du Seigneur, tu dois comprendre. Iglesia de Dios, tienes que entender. Les hommes ouins. Los hombres ungidos. Sont des étoiles. Son estrellas. Que Dieu a identifié que dans Dios le ciel. Que Dios ha identificado en el cielo. Avec des mandats sur la terre. Con propósito en la tierra. Pour accomplir la volonté de Dieu. Para cumplir la voluntad de Dios. En faveur de leurs frères. A favor de sus hermanos aquí en la tierra. L'onction. La unción. L'onction. La unción. J'aime l'onction. Mais a mí me encanta la Alléluia. Unción. Alléluia. J'aime l'onction. A mí me encanta la unción. J'aime l'onction. Amo a la unción. J'aime l'onction. La unción lo amo. Quand la divinité est dans l'homme. Cuando la divinidad es el nombre. Tout ce qui est dans loin. Todo lo que está en el ungido. Libère le surnaturel. Libera lo sobrenatural. Quand il te regarde. Cuando te mira. Se regarde. Sus miradas. Comunique le surnaturel. Comunica lo sobrenatural. Quand il te touche. Cuando te toca. Sa main. Su mano. Te comunique le surnaturel. Lo sobrenatural. Quelque chose qui était si compliqué, il l'a présenté d'une manière si simple. Les quatre points essentiels. 1. Le baptême du Saint-Esprit. 2. La plénitude, chercher la plénitude de sa présence. 3. La puissance du Saint-Esprit. Et 4. L'onction. Et on a vu également le déversement de l'onction. Vous avez pu voir à travers les images que vous avez partagées. La faim et la soif de cette congrégation, des personnes qui viennent de toutes les nations. Vous avez pu voir comment ils sont approchés pour chercher cette onction. Hier, ayer,
Hier, ayer, mon Seigneur a dit, mi Señor dijo, l'Esprit du Seigneur est sur moi, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido, pour libérer les captifs, para libertar a los cautivos, y esta tarde, j'ai fait de cette parole mienne, hago esta palabra mía, he sido ungido, pour ce congrès, para este congreso mundial, pour toi, para ti, reçois-la. Recibe la unción. Et nous avons vu en direct également des libérations, des personnes qui ont reçu. Et qui ont aussi témoigné. Et on peut voir ici la file des personnes que vous avez partagées justement, qui sont en train de faire la file pendant 3, 4, 5 heures. Je sens une grande faim, l'onction, l'onction. Je sens une grande hambre de l'onction en este lugar. Certains vont ressentir des vibrations dans le corps. Unos sentirán vibraciones en sus cuerpos. Attention, reçois. Recibe. Hasta la última fila. L'onction traverse la foule. L'onction traverse la multitud. Hasta la última fila. Recibela. En nombre de Jesús, brillas. Recibela. Apôtre, tu peux prophétiser sur la nation. À l'heure où nous sommes en ce lieu. Ahora, mientras estamos en este lugar. Le feu de l'onction. El fuego de la unción. Souffle dans l'hémisphère sud. Sopla en el hemisferio sur. L'Amérique latine. En América Latina. L'Afrique. En África. L'Asie du Sud. En Asia del Sur. C'est ce peuple qui est affecté et visité par l'onction. Es este pueblo que ahora que está afectado y visitado por la unción. Un grand mouvement de réveil. Un gran mover de avivamiento. La flamme de feu. La llama de fuego. Partout. Está soplando todo lugar. Afecto de l'onction cette nation. Afecto por la unción estas naciones. Toutes ces nations. Todas las naciones que tienen sus banderas en mis manos, je communique le pouvoir divin, comunico el poder divino sobre ellas, du réveil, del avivamiento, du réveil, del avivamiento. Del avivamiento, du réveil, del avivamiento, que, tous les pasteurs, que todos los pastores de, ici, de aquellas naciones estén afectados por el avivamiento, recíbenlos. Aleluya, aleluya, hay una gloria. Moi, ce que j'aime dans l'apôtre, c'est cette dimension apostolique, c'est cette puissance qui dégage de son être. Alors pas forcément, pas que de la bouche, mais de son être, ça fait des ondes de choc. Dans l'esprit, ça fait des ondes de choc. Et son enseignement, ses paroles sont d'une puissance, sont concrets, ça va droit au but. C'est vraiment efficace, c'est vraiment des outils, des mots, des armes qui sont tranchantes pour nous aider, nous qui sommes en formation, qui sommes des enfants de Dieu. On a besoin d'être guidés par des pères, parce que c'est vraiment un père. Hein, c'est vraiment une grâce de pouvoir être face de lui.
L'ange lui dit, el ángel dice a Juan, ton niveau spirituel là, tu nivel espiritual actual, ne te permet pas de voir les choses que je vais te montrer. No te permite ver las cosas que te tengo que mostrar. Tu dois monter de tienes dimension. Que subir de dimensión. Dans le monde spirituel, pero en el mundo espiritual, y a des dimensions. Hay dimensiones. Dans le ministère, en el ministerio, y a des dimensions. Hay dimensiones. Monte ici, sube acá, sube acá, sube acá. Pendant que je te parle, mientras que te hablo, c'est comme si je te disais aussi, es como si te dije, ton niveau actuel, que estoy diciendo que tu nivel actual encore trop bas, es muy bajo, il est moyen, es medido, mais sube acá, pero sube acá. Ton niveau là, tu nivel actual, tu ne peux pas impacter, no puedes impactar, tu ne peux pas percer, no puedes tener tu éxito, peux pas devenir un nom, no puedes llegar a ser famoso, qui marque l'histoire dans ton petit monde, que influencia la historia en tu mundo. Ce niveau là, esta dimensión, es trop petit, es muy pequeño. Sube acá, sube acá. Atteindre la dimension élevée, para alcanzar dimensión alzada, il faut l'impactation, necesita la impactación, ça s'appelle sube acá, es decir, sube acá. Tu vas être le premier, serás el primero, a poser des actes, a actuar, a faire des choses, a hacer cosas, que personne avant toi, que ninguna persona antes n'avait ti fait, lo había hecho, et ce que tu poseras comme y lo que actuarás, aura de l'impact, tendrá impacto, de l'influence, y la influencia, de visibilité, y visibilidad. Amen. 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 Tu es prêt? Estás listos? Estáis listos? Tu es prêt? Estáis listos? Un enseignement dans cette dimension-là. Et je vis très bien certains professeurs d'école biblique à venir entendre des choses. Parce que vraiment là, le niveau est très haut. Très, très, très haut. J'ai fait un parcours un peu classique. École biblique à Paris, faculté de théologie aussi. 4 à 5 ans d'études. Je suis persuadé que la plupart de mes professeurs n'a aucune idée de la dimension de ce qu'il vit. Dans tous les quatre coins de cette salle, en todos los rincones de esta sala, des hommes et des femmes, hombres y mujeres, destinés à l'impartition, destinado a la impartición, reçoivent quelque chose de surnaturel, reciben algo procedente de Dios, reçoit-la, recibe lo sobrenatural, reçoit-la, recibe lo sobrenatural, recibe, reçoit-la, recibe, reçoit-la, recibe, reçoit-la, recibe, reçoit-la, recibe. La grandeur de cette onction, la grandeza de esta unción, va élever aussi de grandes femmes et de grands hommes, va a levantar grandes hombres y mujeres, dans tous les secteurs de la en société, en todos los aspectos de la sociedad. Así acorda sabarapo, tarasaki acorosoto. Recibe el fuego en tu corazón, el fuego en tu corazón. Tómelo aquí, fuego en tu corazón, el fuego en tu corazón, el fuego en tu corazón. El fuego en tu corazón. El fuego en tu corazón. El fuego. 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 Allez mettre le feu. Tienen que echar fuego en tu les âmes, en las almas, la nación, en las naciones. Que le réveil, y que el avivamiento reprenne dans vos nations. Encienden en tus naciones. Amén. Amén. Voy a ser muy sincero. Je vais être très sincère. En los 90 habían. Dans les années 90, il y avait dans la terre des hommes de Dieu, des renommés de l'esprit. Mais dans ce temps, nous ne connaissons plus les gens qui ont le feu et qui impactent des multitudes. Jusqu'à ce que nous avons rencontré l'apôtre Léopold. C'était la raison pour laquelle nous l'avons invité afin que son onction impacte et qu'elle élève des autres puissants hommes de Dieu avec un maestro de la palabra de Dios. C'est un docteur de la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui n'est pas superficiel, c'est quelqu'un qui enseigne de profondes choses afin de construire des bases solides sur lesquelles pourra s'élever l'Église demain. Et c'est qu'il enseigne, l'Église du monde en a réellement besoin. Bueno, apóstol Leopold. Apôtre Léopold, yes. Dieu a fait de lui un homme sans limite. Il n'a pas de limite dans sa mentalité. Yes. Il a une onction sans limite. Let the anointing flow.
Celui qui a dit à Jean, monte. Aquel que dijo a Juan, sube acá. Ton ministère monte dans une dimension sans précédent. Tu ministerio alcance ahora una dimensión que nunca habías pensado. Aujourd'hui et dans les jours à venir, hoy, il n'y aura pas de comparable. Ya no tendrás igual en tu país. Des choses cachées. Las cosas escondidas. Que tu ne connais pas. Que tú no conoces. Dans l'impactation de ton ministère. En la impartición de tu ministerio. Commence maintenant. Estas cosas empiezan ahora. Así parle l'Éternel. Así dice Jehová. Amen. Amen. Ma prière est que Dieu l'entoure de personnes qui intercèdent pour lui tout le temps, afin qu'il soit protégé et qu'il dure pour le bien de plusieurs générations. Si vous avez l'apôtre Léopold, vous devez le protéger, parce que si vous le perdez, réellement, lui ira au ciel, il ne perd rien. C'est l'Église du Congo qui va perdre. Lui, il est la lampe de Dieu pour la République du Congo.